visité au Palais du Peuple. International du travail, est-ce qu'on a besoin d'exclure une frange de syndicalisme? Non, là vous avez parfaitement raison, on n'a pas besoin d'exclure ce qu'on a besoin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent aussi aller organiser la fête de l'emploi. Bien sûr, c'est pas un peu de pour la paix, la justice sociale dans notre pays. Ces enfants qui avaient pourtant permis, mesdames et messieurs, d'obtenir des avancées significatives dans plusieurs domaines, et dans les messages à la CGGGG, avec le but de s'assurer la portée de la justice sociale de l'économie. Ces accords sont aujourd'hui honorés et même honorés par le gouvernement à travers la réunion de leur application et même du domaine. Mesdames et messieurs,
Je demande au secrétaire l'intercession de Jésus-Christ à décider de passer la fête de mai de l'année sous le signe du dialogue social, constitutif, pas comme le père, En effet, l'analyse de la situation économique actuelle nous oblige à faire des choix responsables si nous voulons préserver les chances d'être devenus promoteurs pour les travailleurs. Un choix sur le service à ne pas les effets de la crise qui a fait le plus tard le secteur. La crise politique née des élections communales et communautaires, tous ces cas et tant d'autres, sont le reflet absent de structure de dialogue social, tel le Conseil national de dialogue social. Mesdames et messieurs, à l'évidence, on réalise que si tout le monde parle de plan social, le développement de d'autres, cependant, les efforts engagés sont insuffisants pour concrétiser ces intentions. Sinon, comment comprendre l'attentisme du gouvernement et de maintenir l'emploi face aux demandes pressantes des travailleurs et travailleuses pour un partage des fruits de la croissance dans tous sens de l'éclair. Comment ne pas s'interroger également sur le recours pour certains employeurs, d'autoriser la mise en place de ce syndicat conformément au texte de l'employeur. Comment aussi ne pas faire ce projet sur les licenciements massifs, opérer ça et là, avec souvent la négligence de la situation du travail. Comment comprendre l'absence de capital de l'économie? Non, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Sur le développement social, le travail et l'emploi qui s'est récemment tenu. Comment est-ce que du 1er au 5 avril à Addis Abeba, alors que la Guinée avait été élue à l'unanimité par la deuxième session du même comité AG du 24 au 22 avril 2021 pour appliquer ces sessions. A cet égard, l'intercentrale mandée de Plonoir à prendre toutes les dispositions pour une participation effective et significative de la Guinée à la 108e session de la conférence internationale du travail prévue session qui connaîtra particulièrement la célébration du centenaire de l'Organisation internationale du travail dont notre pays est membre depuis 1959 et a ratifié 62 conventions dont l'ONU appelée convention fondamentale. Mesdames et messieurs, camarades travailleurs, notre retraite ne serait pas passée sous silence sans souligner l'impérieuse nécessité de la promotion de l'emploi des jeunes pour réduire les limites de la migration clandestine qui est devenue une gangrène de notre pays. Si des efforts sont engagés à travers les diverses structures de l'État pour l'emploi des jeunes, il est aussi le devoir des employeurs, nationaux comme étrangers, d'ouvrir leurs portes exclusives aux jeunes diplômés qui demandent qu'à être accompagnés pour exprimer leur talent. Camarades travailleurs et travailleurs de Guinée, c'est le lieu et le moment de vous renouveler notre infinie reconnaissance pour le soutien inconditionnel que vous avez toujours apporté à votre communauté de à tous les niveaux, et ce, en dépit de toutes les formes de menaces dont certains d'entre eux. C'est le moment de vous lancer un appel pressant
ensuite d'accompagner la mise en œuvre effective des deux institutions de protection sociale, des agents de l'État et des retraités, que sont la Caisse nationale de provision sociale des agents de l'État et l'Institut national de l'assurance maladie obligatoire, qui sont le fruit de la lutte des travailleurs et des travailleurs sous la bannière de l'intercentrale CNTG. Pour arriver très rapidement à l'opérationnalisation et l'autorisation de ces deux institutions de protection sociale, nous devons vous acquérir directement la part de la payer sa protection est un devoir pour chacun en vue de préserver sa santé et celle de sa famille ou de préparer ses vieux jours après la vie active. Particulier à nos frères de Palestine et ceux qui ont été prêts contre notre justice, la barbarie, ainsi que toutes les forces de maltraitance que nous sommes dit. L'intercentrale invite l'ensemble des organisations syndicales à l'unité d'action et à la solidarité syndicale en vue de consolider les tactiques démocratiques chez vous, au Congo. Vive le premier lien en l'intercentrale. Vive le travailleur de des retraités civils et militaires, au même moment que des salariés des actifs. 8. La prise en compte des revendications des militaires retraités et veuves relatives aux indemnités de séparation. 9. Le déplacement de la caisse de cotisation sociale comme regroupement de la mission des 7 paroi à Conakry au mois d'avril 2018 et depuis l'actuel du PPT, voilà jusqu'à 2020. 10. Suite à l'assainissement du fichier des retraités, l'intercentrale demande la valorisation des pensions à partir du mois de juin 2019. 12. Poursuivre le programme de formation et de perfectionnement des travailleuses et travailleurs du secteur privé par l'ONFDP à travers le Fonds national de qualification et de formation professionnelle, FNIPP. 13. L'accélération de la consommation de reprise des entreprises fermées, entre autres Salguiria, Forêt-Gualia et Maïlin FGG. 14. La mise en œuvre rapide du programme de logements sociaux en faveur des travailleuses et travailleurs. 15. La protection par des mesures des produits sur le marché, la réglementation de la production de l'eau commerciale. 16. L'arrêt systématique et la concurrence déloyale due à l'importation massive des produits de consommation pour lesquels la matière première existe en abondance dans notre pays. 17. La lutte à outrance contre le fléau de la gangrène de nos jours, la couche juvénile ainsi bien dans les villes que dans les campagnes. 18. La prise en charge intégrale des points de revendication de la Fédération syndicale professionnelle des transports en date du 26 avril 2018. 19. La révision à la hausse du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti de 440 à 1 200 000. 20. La révision à la hausse des primes de logement et de transport ainsi que d'allocation familiale. 21. La construction des cités avec établissements scolaires et de santé pour les travailleuses, travaillant les sociétés minières. 22. La prise en compte des plateformes
de l'intersyndicale de l'éducation, FSP, SLEG et SFE. Je vous remercie. Je suis particulièrement honoré de la place de la famille et de ce monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail de son sacré cabinet et de ce monsieur le ministre de l'Emploi et de son sacré cabinet. Je suis chargé par le bureau exécutif. Mesdames et messieurs, je suis responsable de la sécurité de l'homme. Je tiens à expliquer, monsieur le président, mais en effet, la raison est la question de savoir comment participer à la création de l'environnement favorable au travail à l'horizon 2020. C'est le lieu de féliciter et d'encourager les jeunes gens du mouvement syndical guinéen qui ont organisé la présente cérémonie en choisissant le thème central du dialogue social comme facteur humain pour un développement durable et équilibré. À cet égard, il serait juste de rappeler que l'action du gouvernement dans la recherche de solutions durables à l'amélioration des conditions de vie des populations en général et des travailleurs en particulier est suivie de près par le secteur privé. Il ne s'agit pas de comparer ou de faire une analyse statistique des taux d'augmentation salariale en Afrique. Ainsi que je viens d'observer à l'église du président de la République, le professeur Alpha. C'est bon? Il s'agit d'aider à la consommation totale. Je réexprime la convention 87 et 98 sur la liberté syndicale, la consommation syndicale, la liberté de la circulation sur le syndicat politique. La liberté de l'association et des négociations pour l'économie. D'autre part, je dois souligner l'appui aux institutions de promotion de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi que la création de celle de la prévention sociale, de l'assurance maladie obligatoire, de la sécurité aérienne, ferroviaire et marine. Dans la mesure où notre législation se qualifie aux normes l'OIT, permettez-moi, donc au nom de cette tribune, d'invoquer la Convention 144 relative aux consultations sous-parlement pour lancer un vibrant appel au département de charge du travail et de l'emploi afin de rendre opérationnel le Conseil national du dialogue social. Le Conseil national du dialogue social pourrait être le cadre idéal de construction d'une plateforme de échange et de concertation. Nous sommes sûrs qu'il sera un instrument viable de correction de l'asymétrie entre les acteurs du développement économique et social dans le monde. Ceci dit, nos propos à présent, la qualité de la présence de l'organisation, l'enthousiasme des hommes et des femmes que nous contemplons aujourd'hui, si fiers de notre position de travail, si fiers de notre travail.
comme un but, ils réclament davantage de bien-être à leur employeur, tant que le public. C'est pourquoi je leur exhorte au nom de la présidente de la CETEC, Madame Camara Hadja Traoré. Je leur exhorte à une attitude de dignité, donc ils ont fait preuve grâce à une compréhension syndicale. Je leur recommande la compréhension sociale dans la société pour une meilleure négociation collective, expression de leurs intérêts partagés que nous sommes fermés. Vive le syndicat, vive la société. Mesdames et messieurs, les travailleurs distingués et éduqués, mesdames et messieurs, c'est un agréable plaisir que nous apportons au gouvernement l'occasion de commémoration de la fête du 1er mai 2019, fête internationale avant de l'humanité entière. Le thème de cette année 19 est la pandémie en travail, défi d'espèce. D'entrée de jeu, je voudrais m'arrêter de vous voir celui de transmettre à toutes les centrales syndicales, à tous les travailleurs de l'été, les chaleureuses salutations et les nerveux de bonnes fêtes, Monsieur le Président de la République, professeur Otamendi, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, la célébration de la fête du 1er mai 2019 coïncide avec le centenaire de l'Organisation internationale du travail, dont la conférence se déroulera le 6 juin 2019 à Genève, en Suisse. Permettant de faire un opérateur.
ces acquis traduisent les efforts accomplis par le gouvernement et ses partenaires sociaux dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail dans tous les secteurs. Mesdames et messieurs, la France du travail se trouve elle-même et marquée par des contradictions à l'intérieur des structures sociales. Mais fidèle au respect de ces engagements internationaux, nous pouvons s'interdire de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement des structures sociales. Il invite les organisations sociales au dialogue et à la résolution de leurs problèmes à l'intérieur, dans l'intérêt supérieur de leur corporation et au bénéfice des travailleurs. Conscient du rôle important de l'organisation sociale dans un monde de mutation et fidèle à sa volonté politique, le gouvernement a fini chaque à promouvoir la réalisation effective des normes de travail pour contribuer à la promotion du travail décent et la création d'emplois pour tous, conditions fondamentales pour tout progrès et toute personne. Mesdames et messieurs les travailleurs, concernant la politique suivie par les centrales contenues dans le cahier des charges, le gouvernement assiste pour la conduite du président de la République, le professeur Sarkozy, pour son ministre, d'un assisté un examen judicieux et de consolider le dialogue social à Guinée. L'engagement de chacun et de tous à préserver le social et renforcer le salaire de la famille doit nous guider tous dans la recherche pour le bonheur et pour le bonheur. Tu dois faire 10 ans ta main. C'est sur ce mot. C'est pas moi. Je vous demande, non, monsieur le président de la République, docteur Dali, monsieur le président.